Et entre filles, donc clairement, c'est un planeur pour femmes. Hein. Voilà, si t'es un homme, t'as pas le droit d'avoir ce planeur apparemment. Donc on retrouve vacances, réunion, coffee break, donc pause café, des anniversaires. Donc t'as le droit d'avoir tout ça comme case anniversaire, mais pas plus. Donc voilà. Pareil pour les vacances, t'as pas le droit de partir trop souvent en vacances. Ça, c'est anniversary, c'est un anniversaire de couple. De gaz, vous n'y
l'assurance habitation, ça c'est l'assurance du travail. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. Income protection, income c'est le salaire, donc quelque chose comme ça. Là, c'est si tu as des prêts personnels, une assurance voyage, une assurance santé, une assurance vie, une assurance pour ton animal. Subscription boxes, ça va être toutes les souscriptions que vous pouvez avoir. Donc.
cherchez-le. Moi, j'aime bien le principe du doudou pour la semaine parce que je trouve que c'est bien d'avoir des objectifs de semaine plutôt que forcément des énormes objectifs de journée. Voilà, comme ça, on peut marquer quelques petites choses à faire pour la journée et puis avoir plutôt un objectif de semaine, voire du mois, et se mettre moins la pression. Imaginons que votre objectif du mois, c'est, je sais pas moi, se renseigner sur le grillage pour refaire le grillage dans son jardin, parce que c'est quelque chose que je viens de faire. Et ben là, tu peux mettre, faire la première semaine, tu peux mettre, faire un comparatif des prix grillage sur internet, aller voir dans mon magasin le plus proche ce qu'il me propose, etc. Et ça t'évite pour une tâche qui va être un petit peu pénible de rechercher les prix du grillage, acheter le grillage, commencer à préparer le jardin pour installer le grillage, etc. qui va être longue. Ben, ça te permet de découper et du coup de ne pas être sur noyé dans cette tâche vraiment trop importante. Donc moi, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie maintenant de faire et que je me rends compte qu'il est important de faire comme ça. Après, si c'est juste envoyer un mail de bonjour à ma chine, moi je l'écrirai pas forcément. Enfin, je peux l'écrire là, mais ça peut être aussi là parce que c'est quelque chose de petit, de court et où je vais pas me retrouver noyée d'informations. J'ai bien aimé le côté